Alors, bonsoir. Une autre capsule, cette fois-ci, c'est sur les peaux sèches. Et pour celles qui ont la peau sèche, vous êtes très choyées parce qu'il y a un très grand nombre d'huiles végétales qui sont disponibles pour ce type de peau-là. Je ne les ai pas encore tous mis parce qu'il y en a plusieurs, mais je vous en ai mis pas mal plus que celles pour la peau grasse parce que vraiment, il y a un nombre impressionnant d'huiles végétales pour la peau sèche. Alors, on va commencer. Je vais peut-être pas lire tous les panneaux qui vont se présenter parce que j'ai un petit peu la voix enrouée, mais c'est pas grave, on commence. Alors, pour l'huile d'amande douce, c'est une huile qui est très douce et agréable. Elle laisse un toucher doux et velouté à la peau. Elle est émolliante, assouplissante, elle nourrit la peau et la protège. Fortifiante et tonifiante, elle active la réparation de la peau. Apaisante, elle calme les irritations et les démangeaisons. L'indication pour les peaux sèches, irritées, gercées et brûlures mineures. Et c'est une huile qui est très utilisée pour, comme huile de massage ou même une huile qui est utilisée au niveau des bébés, pour la peau des bébés. Ensuite, vous avez l'huile d'argan. L'huile d'argan redonne élasticité et souplesse à la peau. Elle neutralise les radicaux libres et lutte contre les signes du vieillissement cutané. Elle aide à régénérer le film hydrolipidique cutané. Elle limite les effets des agressions extérieures telles que le froid, le vent et le soleil. Ses propriétés sont régénératrices, cicatrisantes, raffermissantes, protectrices, assouplissantes, adoucissantes, nourrissantes, restructurantes et tonifiantes. Elle est tout à fait indiquée pour les peaux sèches, grasses, mixtes, matures, manquant de tonus, ridées, acnéiques, abîmées ou dévitalisées. L'huile d'avocat. L'huile d'avocat est assouplissante, hydratante et très douce. Elle redonne élasticité et confort à la peau. Régénératrice, restructurante et tonifiante, elle est une alliée pour lutter contre le vieillissement cutané. Réparatrice et calmante, protectrice, elle protège contre les éléments extérieurs tels que le soleil, le vent et le froid. Elle est tout à fait indiquée pour les peaux sèches, fragiles, ridées, matures, gercées et abîmées. L'huile d'avocat, c'est une huile que j'utilise beaucoup au niveau dans mes recettes de baume à lèvres ou pour lorsque je fais une crème pour ceux qui ont souvent la peau au niveau des doigts qui est gercée par le froid l'hiver. Est vraiment merveilleuse pour réparer et cicatriser. L'huile de borage, c'est une autre huile que j'affectionne particulièrement. Elle est un peu dispendieuse par contre, mais est tellement bénéfique, tellement de beaux bienfaits. Elle est régénératrice, adoucissante et assouplissante. Elle redonne élasticité et tonicité à la peau. Donc la peau qui est relâchée, l'huile de borage est tout à fait indiquée pour ça. Et réparatrice, c'est une huile végétale idéale pour conserver la jeunesse de la peau. Donc, pour les peaux matures et sèches, c'est vraiment une très belle huile à utiliser, à intégrer dans votre sérum. Et comme elle est dispendieuse, vous pouvez la mettre en plus petite quantité à ce moment-là. Elle est indiquée pour les peaux sèches, ridées, matures ou abîmées. On a l'huile de chanvre. Elle prévient la déshydratation en maintenant le film hydrolipidique de la peau. Ses propriétés antioxydantes protègent la peau des radicaux libres. Elle régule la production de sébum et elle lutte contre l'apparition de comédons. Très pénétrante sans laisser de film gras. Ses propriétés sont adoucissantes, cicatrisantes, régénératrices, raffermissantes, revitalisantes, calmantes, émollientes. Elle est tout indiquée pour les peaux sèches, grasses, mixte, mature, ridée, acnéique, abîmée, déshydratée, dévitalisée et fatiguée. L'huile de germe de blé. C'est sûr que cette huile-là, son indice comédogène est plus élevé, mais si vous avez vraiment un grain de peau serré, vous pouvez l'utiliser dans votre sérum, peut-être plus en plus petite quantité par contre. Okay, mais ce n'est pas une huile qu'on va utiliser pour soigner, nettoyer notre peau le soir ou le matin. Donc, c'est une très grande source d'antioxydants puissants. Elle lutte efficacement contre les signes du vieillissement.
Elle est très riche et nourrissante. Elle est remarquable pour les peaux sèches ou déshydratées. Anti-âge et raffermissante, elle protège et maintient l'élasticité de la peau. Régénératrice, apaisante, adoucissante, anti-inflammatoire, elle contient aussi un filtre solaire naturel. Elle est tout à fait indiquée pour les peaux sèches, ridées, matures, abîmées, gercées, exposées aux éléments extérieurs tels que le soleil, le vent, le froid. L'huile de jojoba, naturellement, cette huile-là qui est très proche et très similaire au sébum de la peau, donc elle aussi est idéale aussi pour les peaux sèches. Elle va protéger de la déshydratation et elle va freiner les pertes en eau de la peau. Elle pénètre sans laisser de film gras en surface et elle va régulariser les sécrétions du sébum. Elle maintient la souplesse et l'élasticité de la peau et lutte contre les signes du vieillissement cutané. Excusez-moi. Elle aide à lisser et raffermir une peau qui devient flasque. Propriété adoucissante, assouplissante, calmante, régénératrice, protectrice, rééquilibrante, nourrissante et réparatrice. Elle est tout indiquée pour les peaux sèches, déshydratées, acnéiques, grasses, mixtes, sensibles et ridées. L'huile de macadamia. Cette huile-là, vous pouvez l'utiliser aussi pour, si vous voulez, nettoyer votre peau avec cette huile-là pour celles qui ont les peaux sèches. Elle n'est pas très dispendieuse, ainsi que l'huile de noyau d'abricot qu'on va voir plus loin. L'huile de macadamia nourrit la peau en profondeur pour une hydratation maximale. Sa composition en acide gras est très proche de celle du sébum. Elle possède une bonne quantité d'un acide gras dont l'oméga 7, présent dans le sébum, qui a une forte activité antimicrobienne. Elle favorise la microcirculation. Ses propriétés sont adoucissantes, apaisantes, nourrissantes, régénératrices, protectrices, cicatrisantes et anti-déshydratation. Pour les peaux sèches, grasses, mixtes, sensibles, fragiles, irritées, abîmées, matures ou gercées. L'huile de noisette, celle-là aussi, moi c'est celle-là que j'utilise pour nettoyer mon visage le matin et le soir, c'est l'huile de noisette. Elle possède un grand pouvoir de diffusion et de pénétration, ce qui fait qu'elle ne laisse pas de sensation grasse. C'est une huile sèche. Riche en sels minéraux et en vitamines, elle a une action astringente, elle resserre les pores et elle est désincrustante des impuretés sur les peaux grasses et à problème. Elle apaise les rougeurs en stimulant la circulation, elle contribue à éliminer les comédons. Elle est purifiante, astringente, régulatrice, nourrissante, protectrice, assouplissante, raffermissante, réparatrice, désincrustante, non comédogène. C'est pour les peaux grasses mixtes, sèches, matures, abîmées, sensibles, acnéiques, comédons ou pores dilatés. L'huile de noyau d'abricot dont je vous parlais tantôt, elle est connue pour ses effets anti-âge. Elle convient à la préparation des soins pour tous les types de peau. Elle apporte un véritable coup d'éclat à la peau. Elle lutte contre les signes du vieillissement et contribue à rendre la peau plus douce tout en renforçant le film hydrolipidique, protégeant ainsi la peau de la déshydratation. Ses propriétés sont régénératrices, tonifiantes, adoucissantes, nourrissantes, revitalisantes, illuminatrices, émollientes. Tout indiqué pour les peaux grasses, mixtes, sèches, matures, abîmées, ridées, ternes, fatiguées, asphyxiées, flétries et fripées. C'est une excellente huile vraiment pour les peaux sèches, surtout si vous avez la peau terne en plus. Vraiment, l'huile de noyau d'abricot est merveilleuse pour ça. Ensuite, on a l'huile d'olive. Elle est riche en vitamine E, elle protège et nourrit la peau, elle protège des radicaux libres ainsi que le vieillissement. Calmante et adoucissante, elle apaise les peaux irritées ou atteintes de rougeur. Elle est indiquée pour les peaux sèches, matures, ridées ou abîmées. L'huile de nagre. Elle est restructurante et régénératrice. C'est une huile anti-âge par excellence. Elle est riche en antioxydants, elle est soupissante, adoucissante, elle aide à maintenir et rétablir l'élasticité de la peau.
L'application régulière sur la peau estomperait légèrement les rides, selon certaines études. Apaisante, elle calme la peau irritée et la protège des agressions extérieures. Hydratante, elle favorise à maintenir l'eau dans la peau. Elle est indiquée pour les peaux sèches, ridées, matures et abîmées. L'huile de rose musquée. Son indice comédogène est plus élevé aussi, donc on l'utilise en plus petite quantité si on fabrique un soin pour la peau. Mais c'est vraiment une huile extraordinaire à beaucoup de niveaux parce qu'elle a vraiment plusieurs bienfaits pour différents types de peau. Elle est très riche en caroténoïdes. Elle est connue pour son action anti-âge exceptionnelle. C'est l'actif idéal pour nourrir les peaux sèches, sensibles, lutter contre les rides et les cicatrices. De nombreuses recherches montrent qu'après application régulière de cette huile, la texture et la coloration de la peau sont améliorées. Elle est particulièrement réputée pour améliorer l'aspect des peaux marquées par le temps ou le soleil et atténue les taches brunes. Et même pour des cicatrices au niveau de la peau, elle est réputée vraiment pour vraiment estomper les cicatrices. Donc, elle est cicatrisante majeure, régénératrice, assouplissante, antipigmentaire, réparatrice puissante, assouplissante et tonifiante. Elle est indiquée pour les peaux grasses, mixtes, sèches, matures, ridées, couperosées, acnéiques, abîmées et dévitalisées. L'huile de sésame. Elle est très riche en acides gras essentiels et antioxydants. Régénératrice, adoucissante et légèrement cicatrisante, elle est un atout pour les soins anti-âge. Elle aide à maintenir l'hydratation de la peau et elle est apaisante pour les peaux sensibles et irritées. Elle contient un filtre solaire. Moi, l'huile de sésame, je l'utilise dans les soins pour au niveau de les soins que je fabrique pour l'été, les soins solaires. Soit une crème après soleil ou soit une crème une crème solaire tout simplement. Ça, je mettrai une recette à un moment donné comment fabriquer une crème solaire. Et c'est vraiment une huile, l'huile de sésame, que j'utilise vraiment pour les produits de l'été. Elle est indiquée pour les peaux sèches, irritées, exposées aux éléments extérieurs tels que le soleil et le vent. Maintenant, l'huile de tournesol. Très riche en oméga 9 et en vitamine E, elle est assouplissante, nourrissante et adoucissante. Elle est très bien absorbée par la peau. La vitamine E est un très puissant antioxydant naturel qui permet de protéger la peau et qui possède des propriétés anti-âge et anti-inflammatoires. Cela contribue à maintenir l'élasticité, l'hydratation et l'équilibre de la peau. Donc, l'huile de tournesol est complètement indiquée pour les peaux sèches ou très sèches. L'huile de calophylle, on l'a déjà vu dans l'autre capsule sur les peaux grasses parce que c'est vraiment une huile qui est très quand même polyvalente. C'est une huile par contre qui est dispendieuse. Donc si on se fabrique un sérum avec cette huile-là, on la mélange avec d'autres huiles. Elle est très riche en actifs apaisants puissants. Elle est un ingrédient de choix pour les soins des peaux tiraillées ou sujettes aux rougeurs. Elle favorise la circulation sanguine. Cicatrisante et purifiante, l'huile végétale de calophylle est l'alliée des peaux mixtes à grasse et à tendance acnéique. Propriétés anti-inflammatoires majeures, régénératrices, cicatrisantes circulatoires, anti-infectieuses, bactéries et virus, antalgiques, tonifiantes, réparatrices, purifiantes et apaisantes. Elle est indiquée pour les peaux grasses, mixtes, sèches, irritées, acnéiques, couperosées, matures, ridées, abîmées, cicatrices. Alors voilà, c'était les quelques huiles végétales pour les peaux sèches. Et comme vous pouvez voir, dans les huiles végétales, parfois vous en retrouvez que pour la couperose. Donc, si vous avez la peau sèche, que vous avez un autre problème de peau couperose, de la couperosée, à ce moment-là, vous pouvez combiner certaines huiles végétales pour fabriquer votre sérum. Ça, je vais vous donner des recettes dans d'autres capsules, comment fabriquer le sérum. Mais voilà, ça c'était pour au niveau des huiles végétales pour les peaux sèches ou très sèches.
Et ce que je vous conseille, ceux qui ont la peau sèche, c'est vraiment matin et soir, nettoyez votre peau avec une huile végétale. Choisissez une huile végétale que dans celles qui sont présentées et commencez à nettoyer votre peau simplement avec de l'huile. Donc, vous passez l'huile sur votre visage en massant par mouvement circulaire et par la suite, vous rincez tout simplement à l'eau avec un linge, puis vous essuyez l'excédent d'huile. Ça va enlever vraiment toutes les saletés, les impuretés. Vous l'utilisez bien sûr comme démaquillant avant. Ensuite, vous nettoyez votre peau avec. Et par la suite, vous allez voir vraiment votre peau avec le temps à faire cette routine-là, cette utilisation-là. Votre peau va vraiment, vous allez vous sentir confortable. Alors, c'était les huiles végétales pour les peaux sèches. Et sur la prochaine capsule pour les peaux sèches, on va parler des hydrolats. Alors là-dessus, c'était Valérie de 8 été. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook 8 été ou tout simplement sur ma chaîne YouTube 8 été. Alors sur ce, je vous dis à bientôt.